Ce bruit qui a terrorisé des générations entières, vous l'avez reconnu, c'est celui de la redoutée fraise du dentiste. Et ça peut paraître bizarre, mais il sort bien de ce véhicule, un cabinet dentaire sur roue spécialement réservé aux personnes handicapées. Bah, ce bus, il a de particulier que c'est un cabinet dentaire totalement équipé. Ici, fauteuil panoramique que j'ai derrière pour procéder à radio, stérilisation aux normes hospitalières, c'est-à-dire les normes les plus sérieuses et les plus sévères, ainsi qu'un bureau, un espace bureau pour pouvoir soigner dans les meilleures conditions. C'est comme un cabinet dentaire, mais roulant, qui se déplace de centre en centre, c'est-à-dire dans tous les centres où il y a des handicapés, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Je n'ai pas de personnes handicapées proches de moi, mais j'ai toujours été sensibilisé par le fait de pouvoir soigner des personnes qui n'ont pas d'accessibilité dans tous les cabinets. Parce qu'il y a certains, il faut le dire aussi, certains cabinets qui ne peuvent pas, ou certains aussi, il faut le dire, qui ne veulent pas soigner. Parce que ça donne beaucoup plus d'investissement en temps, en soins, de soigner les handicapés que les patients classiques, entre guillemets. Créé en 2010, le bus sillonne chaque année près de 70 villes en région PACA et dispense plus de 1500 soins. À l'origine du projet, il y a l'association Handident, créée en 2005. Son combat, améliorer l'accès aux soins pour les personnes handicapées. Alors quand il n'y avait pas Handident, en fait, quand il n'y avait pas le bus Handident, on allait sur la Timone. Mais comme il y a eu énormément de demandes, et c'est difficile aussi d'accès, c'est plus réservé maintenant ou aux gens qui sont hospitalisés ou aux mineurs. Donc jusqu'à l'année dernière, ici, il y avait aussi des majeurs, c'était quand même compliqué. Voilà, donc là, les enfants ici, en général, voient d'abord le bus Handident. Ils peuvent voir aussi à l'extérieur donc des dentistes qui font partie du réseau Handident. Et c'est souvent après un parcours vraiment chaotique ou vraiment dans des cas particuliers qui sont pris en charge directement par la Timone. Une enquête nationale a démontré que l'enfant handicapé a 4 fois plus de risques d'avoir une mauvaise santé bucco-dentaire qu'un enfant valide.